Bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous soutenir. Une réelle dynamique est née. L'équipe du souffle nouveau qui m'entoure est présente chaque jour, partout, dans nos communes, sur le terrain, sur les réseaux sociaux, à votre écoute, pour porter nos valeurs et notre projet. Je les en remercie. La campagne prend fin. Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections législatives. C'est vous qui allez décider du nom de celle ou de celui qui vous représentera à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Si vous nous donnez votre confiance, nous nous engageons, avec Sophie Van Den Zand, ma suppléante, à rester à votre service, au service de notre pays et non au service d'un appareil politique. Nous soutiendrons donc toutes les propositions qui sont bonnes pour vous, qui portent nos valeurs. Nous nous engageons à protéger et à aider les plus fragiles d'entre nous et à mettre l'homme au cœur de toutes nos actions. Nous nous engageons à défendre avec courage vos intérêts, ceux de la rive droite et ceux de la France. Nous agirons toujours dans l'intérêt général, la transparence et avec intégrité. Nous nous engageons à toujours tenir un langage de vérité, à vous parler avec le cœur, à vous rendre des comptes régulièrement sur les engagements pris. Nous nous engageons à soutenir les initiatives des associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives, à travailler au quotidien avec les acteurs de la vie économique. Vous l'avez compris, nos actions repose avant tout sur des valeurs républicaines, humanistes, écologistes et gaullistes. Sur les valeurs de notre pays, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs sont le moteur de notre engagement.